Et dans le secteur pharmaceutique et dans le commerce, nous observons une certaine anarchie. Et cela, et la cause de cette anarchie, je peux résumer à deux causes. La première cause, c'est l'absence d'une réglementation de ce secteur pharmaceutique. Et deuxièmement, c'est l'absence d'une inspection de qualité. Concernant l'absence d'une réglementation de qualité, d'une réglementation, je dirais, actualisée, et le domaine de la pharmacie est actuellement régi par le décret-loi de 1980. Et ce décret-loi, donc cette loi est dépassée. On a élaboré un projet de loi qui va remplacer cette ancienne loi. Et ce projet de loi n'a pas été sur la table de l'Assemblée. Mais des sources sûres nous ont indiqué que cette loi a été au Conseil des ministres. Mais à cause des lobbying de certains acteurs du domaine de la pharmacie, et ce projet de loi n'a pas passé, n'a pas continué à suivre ses voies normales pour l'adoption.